Bonjour, nouvel épisode des Confis Courts. Aujourd'hui, nous allons travailler autour de la fenêtre. Nous avons de la chance, il fait très beau, donc en fait, la lumière du matin, avec des rayons de lumière, de soleil, qui viennent s'accrocher sur le rebord de la fenêtre et sur le sol. Vous avez eu la photo précédemment, et c'est un moyen aussi d'appliquer plusieurs choses, et la perspective, et la lumière. Voilà, donc c'est pas mal de travailler sur un papier de couleur si vous en avez, sinon ça n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, je vais travailler avec de l'aquarelle et un peu de gouache, un tube de gouache qui ça permet d'aller plus vite que l'aquarelle et c'est peut-être plus facile, ça lie l'utile et l'agréable. Voilà, donc en fait, cette fenêtre, je l'ai mis en place. Alors, en fait, ne pas aller trop vers le détail au départ. Placer, vous voyez, j'ai placé avec un crayon blanc et mettre des différents blocs. Alors, pour la perspective, on repère l'endroit, la hauteur des yeux, qui pour moi va être ici au premier barreau, au premier carreau de la fenêtre. Voilà, voilà ma ligne d'horizon. Ensuite, mes objets qui sont en dessous vont fuir vers la ligne d'horizon. Donc, la commode va être un bloc que je peux agrandir ou rapetisser à loisir à condition qu'il aille vers ma ligne d'horizon. Voilà. Ici, le fauteuil, je ne vais pas le faire en détail pour l'instant. Je vais juste faire un bloc. Il est contenu dans une boîte spatiale qui peut être tout simplement une caisse, un grand rectangle. Voilà, un grand rectangle et un rectangle pour l'assise. Un carré pour l'assise. Voilà. Et ma je ne sais pas si c'est clair. Mon fauteuil est tout simplement un gros bloc. Voilà. Ma fenêtre, c'est un grand rectangle qui est ici. Fenêtre aussi qui, de l'autre côté, fuit vers ma ligne d'horizon qui est plus basse. Ici, si je mettais l'autre côté de ma fenêtre, elle fuirait vers ma ligne d'horizon qui est la plus haute, au contraire. Donc, voilà. Ma ligne d'horizon, tout ce qui est au-dessus va fuir, va légèrement s'incliner. Plus je monte, évidemment, plus ça va s'incliner. Dans l'autre sens, pareil, ma ligne d'horizon est là. Plus je monte, plus ça va s'incliner. Voilà. Les verticales, bien sûr, sont toujours verticales. Voilà, le tableau qui est au-dessus de la commode. Alors là, c'est l'angle de ma pièce. Je vais mettre l'angle de ma pièce ici. Je vais appuyer un petit peu plus fort. Voilà, et le tableau qui est au-dessus aussi. Là, on est proche de l'horizontale. Il va être très proche de l'horizontale ici, mais pas tout à fait. Et ensuite, il va pencher un peu plus. Voilà. Un petit triangle. Ou un petit trapèze pour la lampe. Ici, je vais monter un peu ma commode parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de lumière. Donc je peux déjà indiquer les endroits parce que comme ça va aller très vite, la lumière du matin va monter assez vite. Ça va être l'occasion aussi de faire un peu de tissu avec les rideaux. Hop. Donc là pour l'instant c'est un grand triangle et un grand triangle en dessous. Là, un grand triangle. Le fauteuil, c'est une masse foncée. Il est un peu plus bas que ma ligne d'horizon, donc il va aller vers ma ligne d'horizon. Donc en fait, pas besoin de faire trop de détails pour l'instant, on monte petit à petit. J'ai pas mal de lumière ici. Hop. Et peut-être que je mettrai un premier plan où il y a une table. Pour l'instant, je l'indique. On verra si je la mets après, si j'ai le temps. Voilà. Donc, je vais commencer à placer la lumière avec la gouache.